Bonjour à tous et bienvenue à vous dans Monsieur le Villas Revenge épisode 10, les amis. On est parti pour l'épisode 10, le timer est lancé, tout est ok. Alors, je tiens une patate, car vous savez quoi les amis, il y a, à l'heure où je tourne, quelques minutes que j'ai réservé mes places pour la chérie et moi pour la Minecon 2012. Et oui, je serai parmi vous si vous venez les amis, je serai à la Minecon 2012, je serai là en mode entre guillemets un petit peu reporter. Pour un petit peu filmer avec la GoPro et mon autre caméra. Je pense que ça risque d'être épique. J'espère juste que j'aurai assez de batterie pour pouvoir tout filmer. Mais voilà, je sens que ça va être énorme. Ça me fait super plaisir d'avoir réussi à avoir des places. Je sais pas encore à l'heure actuelle s'il y avait des... Si genre il y avait un nombre limite de places. Mais en tout cas, j'ai mes places et je suis super content. Ok, donc on s'en fout un peu de Minecraft pour l'instant. On est sur Monsieur Villas Revenge. Et aujourd'hui, on va... choper des vaches. Ouais, on va aller chercher des vaches. On va aller chercher des vaches essentiellement. Après, s'il y a d'autres animaux qui veulent nous suivre, et ben écoute, c'est parti. Ce qu'on va faire par contre, c'est que je vais transformer tout ça en poudre d'os et on va se faire plein de blé. Pour faire du bois, n'importe quoi. Pour se faire du. On a de quoi faire là. Du pain et aussi du blé pour pouvoir ramener les petits animaux vers nous, vers l'enclos qu'on a fait au dernier épisode les amis. Ah, je suis de bonne humeur là, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir hein. Je sais pas le faire l'accent belge mais ça fait plaisir. Dédicace à Aspic. Alors on va juste quand même prendre ceux qui sont déjà mûrs, prêts, à point. Ah, merde, j'en ai cassé un que je voulais point, c'est pas grave. Hop, les graines elles sont là. Celui-là aussi je pense. Alors celui-là on peut, celui-là aussi. Je vais prendre vraiment ceux qui sont très bas. Voilà, genre ça. Ok, je vais replanter. Là-bas, j'aime bien là-bas. Le mec il fait un peu trop. Oh, putain, mon chien m'a fait flipper. Qu'est-ce que tu fous là toi? Putain, le truc, je crois que j'étais revenu sans chien, le mec vient de se TP à moi, normal. Alors, hop, là, on met tout ça, on se fait pas mal de blé, pas mal de pain, ça va être épique. Nickel, on nique tout. Aïe. Ok, on transforme tout ça. J'en étais sûr que j'allais au moins tomber une fois dans l'eau. Ok, il nous reste 38... poudre d'os. Et ben on transforme tout ça. Désolé si vous entendez un petit bruit, c'est mes cochons d'Inde. C'est les cochons d'Inde de la chérie. Oh là, je me serais pas fait avoir deux fois. C'est les cochons d'Inde de la chérie qui font de la merde avec leur leur gourde d'eau là, leur machin là. Hop. Ok, je finis toute ma poudre d'os pour qu'on soit tranquille et qu'on ait un maximum de... Oh genre, pourquoi il y a... Ah non, parce que j'ai sauté tout à l'heure, non? Moi, je sais plus. Ok, allez, je prends tout. Je replante pour pouvoir pour que ça puisse pousser bien comme il faut. Et on est parti, les amis. Ok, toi aussi. Et on replante. Hop là. Bon, voilà. Mais non, mais pourquoi je fais ça, moi? Oh, c'est cool, j'ai pas fait de... Bon, c'est cool. Hop. Épisode tranquille, même si bon, je vais faire en sorte aussi de ne pas passer la nuit, hein, pour qu'on puisse se fight dans la nuit pendant qu'on cherche aussi les... Ah mais ça va être chiant ça. Tu m'énerves, tu restes là. Ramener les... On a que 20... Ah non, j'ai eu peur, je crois qu'on avait que 28 blés. Ramener les vaches et les animaux pendant qu'il fait nuit, ça va être épique, ça va être la merde. Je préfère vous le dire honnêtement, hein. On se parle comme ça maintenant, ça va être la merde, voilà. Ça va être assez la merde. Alors voilà, je me fais plein de pain parce que ça c'est cool. C'est parfait. C'est parfait. J'ai 24 pains, c'est nickel. On va d'ailleurs manger tout de suite. Voilà. Allez, on est parti. La carte en main. On va aller par là. Ouais, ça me paraît pas mal. J'espère qu'il y aura des... Est-ce que j'ai une épée? Oui. J'espère qu'il y aura des vaches. Il nous en faut au moins deux. Il nous en faut au moins deux. Objectifs de la journée, de cet épisode, trouver au moins deux vaches. Ça, c'est un chien, ce n'est pas une vache, Elvie.
D'accord, la carte dans la main toujours. Hop, on crée la zone. Alors il y en a plein qui m'ont dit ouais. Enfin plein, non pas plein, mais. Ils m'ont dit bah Elvi, t'as fait une autre carte alors que t'en avais déjà une, bah alors t'es un petit peu un bolos. Sauf que non, parce qu'en fait la carte que j'avais déjà créée, elle est obsolète parce qu'elle était super loin de d'où on est là actuellement, donc du coup elle ne sert plus à rien, tout simplement. Si je crois que je l'ai gardé dans mon coffre, je pourrais vous montrer, hein, quand on la regarde, on ne voit pas mon point dessus, donc ça ne sert à rien. Voilà pourquoi j'ai recréé une deuxième map. Vous savez, je fais pas non plus que des fails, hein, il y a des choses qui sont un minimum réfléchies, enfin un minimum. Hein. Ok, il y a plein de chiens, c'est génial, sauf qu'il n'y a pas une seule vache, quoi. On va aller voir par là, et la nuit tombe, et ça me rassure pas du tout. Dans un biome jungle, enfin pas dans un biome jungle, dans un biome forêt comme ça là. Ah, il y a ce qu'il faut en chien, par contre j'ai pas intérêt à en taper un par mes gardes. Sinon je me fais dépop la gueule, hein, tout simplement. Allez, cours. Ça c'est chiant, la touche sprint, là, enfin là. Non, c'est ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de touche sprint, voilà, c'est ça qui est chiant. Non, ça fait bizarre, on dirait qu'il est éclairé d'un seul côté. Bref. D'accord, donc toujours des chiens à perte de vue, mais pas de... Ouais, c'est vraiment bizarre leur côté éclairé, là. Mais pas de vaches. On va commencer, je suppose, à voir des gentils creepers, des gentils trucs, quoi. Genre là-bas, il y a un creeper, par exemple. Un squelette. Je vais prendre mon épée en main, parce qu'on ne sait jamais dans des situations pareilles, les amis. Je cours, je cherche, je suis seul contre les éléments. Et je suis dans un cul-de-sac. Oh oui. Coucou bébelle. Allez, j'en ai vu une autre là-bas. Alors, est-ce qu'on est loin de chez nous? Alors, j'ai un cochon en même temps. Ok, la vache m'a lâché. Sale lâcheuse, va. Attendez, il y en a une là-bas aussi, on va y aller doucement pour la prendre en même temps. Ok, on a 3 vaches. Avec pas mal de cochons. Et bah écoutez, la direction c'est par ici. Alors suivez-moi ma bande. Eh oh, la vache. Tu m'as vu là? J'ai l'impression qu'il me voit plus. Ah, c'est bon. Ils ont débugué. Donc faut que j'aille par là. Allez, suivez-moi les amis. J'espère vraiment, 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 vraiment qu'on va pas avoir 50 milliards de mobs sur la gueule. Allez. On se fuit. J'ai plus que 2 vaches là. Allez, viens toi. Casse pas les coronesses. Allez, mais détecte-moi, voilà. Oh là là, je sens que ça va m'énerver. Je sens que cet épisode, les amis, va être riche en énervement et en fail. Non, pas par là parce qu'ils vont tomber dans l'eau, c'est bolos. Alors je n'ai rien contre les animaux, hein, vraiment rien, je crois qu'il y avait un squelette par là. Tu vas falloir arriver à le semer. T'es sérieuse là? Allez, avance. Je vais péter un câble, qu'est-ce que tu me vois pas là? Tu me vois là? Voilà. Alors, je suis sûr qu'à un moment je vais me retrouver sa paire. J'y vais vraiment très 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 doucement. J'espère vraiment que c'est par là. Vous êtes pas tous obligés de passer dans le même chemin, hein. Vous pouvez faire le tour de l'arbre aussi. C'est pas grave. Ouf. Il est où? Il est là. Donc là ça va faire partir des bêtes forcément. Allez, on me reprend. Allez, on me redétecte. Allez. On me redétecte. Allez. C'est bon? C'est bon. Allez. C'est bon. On continue. Putain, je sais plus dans quel sens c'était. C'était par là, je crois. Il y a un creeper à gauche. Oui, bleu. Ben, c'est par là. Vous me suivez toujours, les amis? Ok, let's go. Ok, let's go. Faut que je trouve de la lumière. Une fois qu'on aura trouvé de la lumière, on ne sera pas loin de chez nous. You know? Je ne sais pas si je suis au bon endroit, les amis.
Oh oui, je vois de la lumière là-bas. C'est bon. Nous arrivons, les amis. Allez, courage. Il y avait une vache là-bas. Pourquoi j'ai plus que de vaches? Elle est là, l'autre. Elle est bien, cousine. Cousine! C'est toi qui fous la merde à la maison. C'est... On va contourner, alors. Oh, il y a des vaches là-bas. Mais des vaches juste à côté de chez moi, en fait. Allez, allez, on continue. On ne se relâche pas, les amis. On sort son petit jogging. Allez, on a 4 vaches, on y croit. Alors là, attention, on va devoir traverser de l'eau. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez. Allez. Allez, fais-moi du chocolat. Du chocolat Milka. Allez, on traverse l'eau et on ne meurt pas dans l'eau. Hein. Attention. Hein. Il y a 2 creepers là-bas, mon dieu. Les vaches ne me suivent plus, je vais péter une brique. Allez! Je crois que c'est une très mauvaise idée de mettre les vaches dans l'eau, en fait. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer d'en emmener au moins 2 des vaches. Là. Oh non, il y a un squelette. Non. No need squelette. On peut fuir, hein, on peut fuir. On peut fuir, les enfants. Oh putain, y'a un Enderman pas loin. On s'en fout, on l'a pas vu. On fait style qu'on l'a pas vu. J'espère que je suis au bon endroit. Alors là, y'a un zombie. Je vais le tuer. Allez, on me redétecte. C'est bon? Non, c'est pas bon. Redétectez-moi, ça y est. Il me revoit. Il me retrouve. Allez, c'est bon. Plus que quelques cubes. C'est le cube de l'été. Yeah. Allez. Mais avancez, bordel de merde. Oh. Pourquoi le chien... Ah ben non, c'est mon chien. Oh putain. Et mon chien, occupe-toi de cette araignée de merde. Voilà, c'est bien. Mon chien est en train de prendre trop cher. C'est pas grave. Il donne tout. Oh, il a sa loot énorme. Je vais aller la chercher après. Allez. On y est arrivé, les amis. Ouais, il y a un squelette, mais ouais, quand même. Oh non. Putain, t'es sérieux, là? Seriously? T'es sérieux? Toi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, redétectez-moi là, me faites pas chier. Les vaches, voilà. On redétecte, on rentre. La vache, tu rentres. Allez! Putain, la vache! Ouais, c'est une vache. Énorme blague. Allez, go! Mais t'es teubé ou quoi, sérieux là? Allez! Allô? Tu me vois pas là? Tu vois pas mon blé là? Là. C'est pas possible, sans déconner. Voilà. Tu peux venir ici, s'il te plaît? Tu peux rentrer dans cet enclos de merde. Allez! Cochon, tu rentres. GG! La vache, tu rentres, dépêche-toi. Mais toi, tu bloques le passage. Voilà. Saine, soyons saine. Je vais tuer le squelette. Je remets son orbe, voilà. Alors maintenant... Putain, c'est possible! Ok. La vache là. Tu me vois là. Alors tu me suis. Dépêche-toi. Je rigole plus.
de chien qui bloque. Allez, rentre, putain de vache. Ah, mais c'est pas vrai, j'ai pété un câble. Allez, bon, c'est quoi? Je vais faire une ouverture plus grande. Détectez-moi, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Oh, je pète un câble. Allez, détectez-moi là. Voilà. Mec, y a pas d'amis. Détectez-moi, putain. Oh, quoi. Voilà. Allez, cochon, dépêche-toi. Bon, l'autre cochon s'en branle. Voilà, venez jusque là. Après, je vais vous piner. Hop. Dégage, sérieux, dégage. Voilà. Putain, enfin, on a réussi. On a presque mis tout l'épisode à faire ça, mais on y est arrivé. Toi, tu te reproduis avec toi. Toi, avec toi. Et toi, tu te... Devine. Devine ce que tu vas faire tout seul. Bref, allez. Alors, on va mettre des torches. Pas que ça spawn dedans. Alors toi, mon gros... toi, tu me fais chier juste... Oh, putain, mon chien. Merde. Mon chien, faut que je donne de la bouffe. Je lui ai filé des... De la viande de zombie tout à l'heure. Ça peut le faire. C'est le cube. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo, elle est épique. Avec plein de youtubeurs qui dansent, dont moi. Et oui, vous allez me voir danser, les amis. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais... Le cube de l'été. Ok, alors, c'est bon, là. On est bon, là. Là-bas, j'ai l'impression qu'on... Non, les mobs ne pourront pas rentrer. Ici, dans le doute, on va voir ça, d'accord. Allez, viens, mon chien. Ouais, viens, je vais te... Snoop Dogg, allez Snoop Dogg, viens. Fais de la bouffe, moi. Une bonne bouffe de merde. Elle est où, la viande de zombie? Là-dedans, il n'y en a pas, non? Pas de viande de zombie. Putain, je sais plus à quoi ressemble la viande de zombie dans ce pack. Non, j'en ai pas, hein. Bizarre, ça, d'ailleurs. Tu peux venir là et ne pas bouger d'ici. Voilà. C'est le cube de l'été. Bref. Ok. Attends. Non, soit je suis aveugle, soit je la vois vraiment pas la viande de zombie. Ok, c'est pas grave. Il nous reste 2 minutes 16. Qu'est-ce qu'on peut se faire en 2 minutes 16? On peut faire ça. Attends, je vais vous montrer. Hop, faire ça par exemple. Ok, c'était nul. Alors, on va aller se faire vite fait des blés, là, comme je vois que j'ai 4 os, parce que là, on peut rien entamer en 2 minutes, c'est pas possible. Voilà. Épisode, expédition, galère pour trouver des vaches, mais on a réussi, donc c'est cool. Bon, c'est bueno ça. Ça me saoule le truc pas labouré au milieu, mais maintenant on va aller chercher la binette, la petite binette, pour enlever ça. Et je pense qu'on se laissera là-dessus, les amis. Voilà. Oh là là, putain, cet enclos là. S'il y a un creeper qui tombe dedans et qui m'explose mes vaches, je pète un câble. C'est dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais prendre ça. Ok. Donc j'ai des cochons, j'ai des vaches, on va dire que c'est ce qu'il nous faut. Hein. Après, bon, les poules, si j'en ai 2-3 à côté, je le ferai, mais bon, ça se coûterait. Je vais juste reprendre, hop, une graine pour la mettre là, parce que j'aime bien que... Hop. Ok. Bah c'est parfait. C'est parfait, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Ça, donc ça c'est bon, je pourrais faire des gâteaux avec. Là, la maison, on avancera ça en live, bah du coup quand je reviendrai de vacances. On sera à peu près à jour, donc on avancera ça en live. Il y a une araignée dedans. Comment t'as fait pour pop là-dedans, toi, sérieux? Pst, pst, ouf, genre, comment on a fait, quoi? Genre, tu sais, l'air de rien. Non, non, je te regarde pas. J'arrive au level 40, bientôt, les amis. Voilà, c'est plutôt cool. Le timer m'annonce que c'est la fin.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que j'enverrai quelques-uns d'entre vous à la Minecon peut-être, mais c'est vrai que si vous venez à la Minecon, ça vaut 99 €. Si vous venez, c'est clair qu'il faut venir les deux jours avec les deux soirs. Hein. Parce que si vous dépensez 99 € pour une journée, enfin, c'est comme vous voulez, mais moi je trouve ça abusément cher. Moi je l'ai pris parce que j'ai pas l'hébergement à payer. Mais vous pouvez voir ma vidéo sur ma chaîne secondaire, ma vidéo IRL, où j'explique pourquoi est-ce que je vais à la Minecon. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Prenez soin de vous, jouez bien et à ciao tout le monde. Et merci de m'avoir regardé. Bisous, ciao. What the...